Yo les gars, c'est DBZ, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien les amis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et oui les amis, vous ne rêvez pas, on se retrouve bel et bien pour une vidéo avis info news. Oui les amis, ça fait longtemps que je vous avais pas proposé de vidéo avis info news, tout simplement, hein, parce que voilà, les DLC, vous savez très bien que il n'y en avait pas eu depuis maintenant, hein, il va y en avoir dans pas très longtemps. Donc, on va tout simplement parler du fameux DLC 5 de Dragon Ball Xenoverse 2. Oui les amis, vous avez bien entendu, un cinquième DLC va venir. Donc petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, il y en a qui vont dire mais attendez, on est déjà au courant. Oui, donc je rappelle que dans le titre c'est marqué avis info news et dans le titre il y a marqué avis. Donc voilà, donc pour tous les petits malins qui disent à chaque fois oui DB on est déjà au courant etc. Oui certes, voilà, cette vidéo est faite pour que je donne mon avis, mon ressenti sur ces fameux DLC qui vont sortir et aussi bien entendu mettre au courant ceux qui n'y sont pas encore, tout simplement. Enfin bref, donc pour commencer ce fameux DLC 5 les potos, je tiens à préciser, voilà, il sera payant, je dis bien payant pour tous. Voilà, même pour ceux qui ont le season pass comme moi, eh bien, il faudra l'acheter comme tout le monde. Je crois que le prix, ça doit être 7,99€ ou 8,39€, je ne sais plus. Enfin bref, donc ça, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Il y en a qui vont dire, oui, BDB, on était au courant, on savait qu'il y avait d'autres DLC, etc., etc. On avait raison. Voilà, encore une autre parenthèse que je tiens à préciser. Oui, je n'ai pas dit que vous n'aviez pas raison. J'ai dit que ça allait m'étonner s'il y aurait d'autres DLC. C'est pas pareil. Surtout en sachant qu'ils ont dit que dans le season pass, voilà, il y aurait que 4 DLC maximum. Et c'est très rare de voir des jeux sortir, en tout cas, pour ma part, en tout cas, j'ai rarement vu ça, voir des jeux qui sortent des DLC à part d'un season pass. Enfin bref, je comprends pas trop leur système, au lieu de, je sais pas, augmenter le prix, hein, et puis dire qu'il y aura d'autres DLC par la suite, ça aurait été un peu mieux, je pense. Enfin bref, on s'en fout, mais ce que je veux dire, c'est que, bah, pour ma part, je ne sais pas si je vais l'acheter, en tout cas, le jour J, peut-être que je l'achèterai un peu plus tard, enfin bref, ça j'en parlerai, je pense, en fin de vidéo, voilà, parce que j'ai d'autres priorités avant tout. Enfin bref, donc au début, pour l'annonce de ce fameux DLC 5, ils avaient annoncé deux persos, donc bon, j'étais pas trop hypé au début, et ensuite, quelques semaines après, ils ont annoncé deux autres persos. Bon, là, je me suis dit, bon, là, c'est un peu mieux, hein. Enfin bref, donc au début, ils avaient annoncé Dabra et Super Buu, pour ceux qui préfèrent Buuhan, tout simplement, c'est pour ça que j'étais pas trop hypé, voilà, pour ma part, hein, je vous donne mon avis, hein, tout simplement. Et ensuite, comme j'ai dit, quelques semaines après, ils ont annoncé Tapion et C13, et là, je me suis dit, et là, il y a un peu plus de level, c'est un peu mieux, surtout pour Tapion, voilà, c'est un personnage quand même que je kiffe, personnellement, j'aime bien son style, etc., surtout son style de combat. Alors pourquoi j'étais pas trop hypé par Buu et Dabra, tout en sachant que Dabra c'est pas un personnage qui m'excite énormément, et Buuhan, on va en reparler après, mais au niveau de ses techniques, vous allez voir que c'est pas non plus folichon. Enfin bref, bien évidemment aussi, comme dans chaque DLC, on pourra sûrement obtenir les techniques des personnages, donc il y aura forcément des nouvelles quêtes, en tout cas, je l'espère, hein, je pense. On pourra aussi tester, bah, tout simplement, ces fameux nouveaux persos, et ça, ça fait hyper plaisir. Donc, concernant Dabra, donc, il nous dit qu'il sera muni de son épée et de sa salive. De toute façon, je vous mettrai tout en image, ou même des petits passages de gameplay, hein, parce que pour l'instant, là, à l'heure où je vous parle, il n'y a que du gameplay pour Dabra et Buuhan. Bref, donc pour Dabra, ce qui fait plaisir, c'est bon, voilà, il y a quand même des choses positives au niveau de ce perso, c'est que, bah, comme chaque perso, il a des techniques propres à son personnage. Donc la salive, donc, hein, je tiens à préciser, il sera pas, s'il vous crache dessus, vous serez pas, comment, vous serez pas en statue tout le combat et vous aurez perdu. Non, bon, je pense que vous êtes pas con non plus, donc ça sera juste temporaire, voilà, hein, je pense une petite seconde. De toute façon, vous voyez ça par rapport au gameplay. Ensuite, Buuhan, qui sera tout simplement avec ses techniques propres à personnage aussi, hein, bien évidemment, mais comme je disais, c'est des personnages, enfin des techniques, pardon, qu'on connaît déjà, hein, le super Kamehameha, le fantôme kamikaze aussi, bon, voilà, c'est pour ça que ça me hype un peu moins. Ce qui me hype par contre un peu plus par rapport à ces nouveaux personnages, comme chaque nouveau perso, c'est que, voilà, vous savez très bien que chaque perso aura tout simplement ses styles de combat différents des autres persos, et ça, je pense que c'est ce qui fait le charme de ce fameux Xenoverse 2, hein, qu'on n'avait pas par rapport au 1. J'ai l'impression que c'était toujours le même style de gameplay, de combat, enfin bref, ça va changer, ça fait plaisir. Bref, au niveau de Tapion, hein, lui aussi aura son épée, hein, vous connaissez l'histoire de toute façon, et sa flûte aussi, voilà. Sur les images que je peux vous montrer, vous voyez qu'en fait, quand il se sert de sa flûte, on dirait qu'il y a un sort de bouclier autour de lui. Je me pose la question, est-ce que ça serait pas son évasion? Pourquoi pas, ça serait assez sympa de voir ça, j'ai hâte d'en voir plus de toute manière. Ensuite, C13 qui, quant à lui, sera capable de lire les données ennemies pour les suivre et ensuite les attaquer à distance. Donc
ils en disent pas trop par rapport à ces techniques, ils en disent pas plus, on peut voir quelques images, j'ai hâte de découvrir tout ça. Je sais pas s'il y aura du gameplay d'ici là, hein, quand je vous uploaderai pardon, cette vidéo, on verra bien. Bref, après, bien entendu, comme je l'ai dit, bien évidemment, les persos ont des techniques propres à leur personnage, auront leur combo, leur style de combo, de combat propre à leur personnage, et j'ai vraiment hâte de voir ça, c'est ce qui me hype le plus de toute façon quand il y a des nouveaux personnages, hein, c'est pas forcément les techniques qu'ils auront, mais bien évidemment, ça peut jouer tout simplement, enfin bref. Ensuite, par rapport à ce nouveau DLC, ce n'est pas tout, hein, voilà, il y a encore deux petites choses à venir, par rapport à ce DLC 5 payant, hein, bien évidemment. Donc, ils ont annoncé quelque chose que je ne savais pas d'ailleurs, j'ai appris ça quand je voulais vous faire cette vidéo, je savais même pas, j'étais même pas au courant. Il y aura un nouveau maître, voilà, un nouveau maître. Donc dès que j'ai vu ça, hein, je sais pas pour vous, mais pour ma part en tout cas, ça m'a, il y a eu un petit déclic en fait dans ma tête. Je me suis dit, ah là c'est un peu plus intéressant. Vous savez très bien que j'adore faire ma petite série. J'en ai fini avec mon maître et là je me suis dit, ah ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que je pense prendre le DLC. Après je sais pas si je pourrais le prendre le jour J, mais on verra bien. Enfin bref, donc un nouveau maître. Donc bien évidemment, vous savez qu'il y aura des nouvelles quêtes avec ce fameux maître qui sera d'autre que Zamasu. Hein. Au passage, j'ai bien prononcé, ça vous plaît, frérot? Enfin bref, voilà, je n'ai pas dit Zamasu, mais si je veux, je le dis. Hein. Donc les techniques seront tout simplement vague divine, flèche divine et jugement instantané. Donc je vous mettrai des images avec le fameux avatar qui fait les techniques de Zamasu. Donc ça, ça fait plaisir. Ensuite, deux nouvelles tenues par rapport à ce fameux DLC 5 qui seront intégrées. Donc les tenues seront de Topo. Voilà, donc je vous mettrai les images de toute façon. Et vous voyez aussi qu'il y aura la tenue aussi de l'autre relou là. On dirait un Teletubbies là d'ailleurs dans DBS. Je l'aime pas trop celle-là. Je sais même pas pourquoi ils ont mis sa tenue, je l'aime pas ce perso là, c'est Ribrian je crois, enfin bref. Donc ce qui est plus intéressant je pense c'est pour la tenue de Topo parce qu'elle est équivalente aussi à celle de Jiren je crois, c'est Jiren comme ça qu'on dit. Je suis un peu perdu avec tous les persos qu'il y a dans DBS en ce moment, enfin bref, voilà, je suis content pour la tenue de Topo. Après Ribrian, s'il vous plaît, petite parenthèse pour DBS, vivement qu'elle dégage, je ne la déteste, je l'aime pas avec leur truc d'amour là, je trouve ça complètement débile, enfin bref. Donc c'est tout pour ce fameux DLC 5, mais ce n'est pas tout pour cette vidéo les frérots, parce qu'il y aura bien évidemment une mise à jour et il y aura du contenu, et ça, ça fait plaisir. Mais attention, hein, du contenu gratuit, ah, c'est ça qui fait plaisir, enfin bref. Donc cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, les potos, je vais vous mettre des images et là vous êtes en train de me dire, non, DB, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, bien évidemment pour tous ceux qui sont pas encore au courant, oui, les amis, vous ne rêvez pas, vous voyez bien un plateau, voilà, avec des figurines, un plateau de jeu. Alors je vais pas vous mentir, sur le coup, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à Yu-Gi-Oh, hein, peut-être parce que on a l'habitude de jouer avec des cartes sur un plateau, enfin bref, vous connaissez Yu-Gi-Oh je pense, enfin bref, ça m'a fait penser tout de suite à ça, et ils ont dit que ça serait tout simplement un nouveau mode de jeu intégré dans Cotton City. Donc comme vous voyez aussi à l'image, il y aura un sorte de bâtiment, alors je sais pas, j'ai pas bien regardé, est-ce que ce bâtiment existait déjà avant, j'ai jamais fait attention. Donc ce fameux mode de jeu les frérots, eh bien il aura un nom, hein. C'est assez normal, assez logique. Il s'appellera le Colisée des héros. Donc voilà, on n'en apprend pas énormément. Hein. Je peux vous mettre des images. Hein. Vous voyez, par exemple, Trunks avec une sorte de statue dans ses mains. Alors je me pose beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça va être en fait ce nouveau mode de jeu? Ça peut être, je pense, assez intéressant. En tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. De toute manière, vous savez très bien que je ferai sûrement une vidéo découverte sur ce fameux nouveau mode de jeu. Vous pouvez compter sur moi. Et on n'en apprend pas non plus énormément, hein, sur ce fameux mode de jeu. Tout ce qu'on dit Bandai pour l'instant, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, je tiens à préciser parce que ça se trouve, je vais vous sortir la vidéo, il y aura des nouvelles par rapport à ce fameux mode de jeu ou même à ce fameux DLC. Ils ont dit restez à l'écoute pour plus de détails. Voilà. Ça a été les dernières paroles par rapport à ce fameux mode de jeu. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que va donner ce mode de jeu. Je sais, je me répète, mais voilà, ça me hype. C'est la chose qui me hype le plus, en tout cas, des choses nouvelles sur ce fameux Xenoverse 2. Je pense que ça va faire un peu de bien, parce que je pense qu'il en avait besoin, ce fameux jeu. Ça commençait à être un peu toujours la même chose et un peu lassant au bout d'un moment, je vais pas vous cacher. C'est pourquoi, hein, je faisais plus non plus énormément de vidéos dessus. Mais là, ça va sûrement me rebooster un petit peu. Enfin, j'ai envie de dire. Bref. Oui, après la question que tout le monde se pose, voilà, j'ai failli oublier. Hein, la question que tout le monde se pose par rapport à ce fameux DLC et cette mise à jour,
c'est quand? DB, c'est quand? C'est quand que ça va venir? Nanani nanana. Oui, j'ai toujours cette question-là, même si parfois je peux le dire dans la vidéo, et on va encore me reposer cette question là dans les commentaires parce que on n'aura pas écouté la vidéo jusqu'au bout. Alors la date, il n'y a pas non plus de date précise, je tiens à le préciser, hein, voilà, petit jeu de mots, on s'en bat les couilles. Donc il n'y a pas de date précise, et dans les... j'ai fait pas mal de recherches, hein. Alors j'ai eu des rumeurs comme quoi que ça serait le 27 novembre, donc restez à l'écoute. Tout simplement, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, il sortirait en automne. Avant la fin du mois de novembre, je pense qu'il sera sorti. Ou du moins, fin novembre, on l'aura. Alors, encore une autre parenthèse avant de finir cette vidéo. Voilà, pour tous ceux qui me disaient DBA, oui, on a raison. Il va y avoir au moins 8 DLC, etc. Une fois, on m'a même dit 16. Alors 8, je veux bien, mais alors 16, faut pas exagérer quoi, hein. Le sucre par exemple, ça se fume pas frérot, genre tu sais, tu le mets genre dans ton chocolat ce que tu veux, ou tu le donnes à ta maman parce que, hein, vous connaissez le dicton, hein, comme je dis, ta mère elle mange du sucre. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ça fait plaisir d'avoir un nouveau DLC, c'est sûr, au moins ça fait du renouveau au jeu, ça redonne un peu de fraîcheur, c'est cool, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait directement un season pass à 50 balles. Je veux dire, voilà, moi je me suis cassé le cul à mettre 25 balles dans le season pass en me disant, c'est bon, au moins j'aurai tous les DLC, je serai tranquille, je pourrais proposer à vous, hein, tout simplement, du gameplay correctement, voilà, tranquillement, et arrivé là, on apprend qu'il y a des DLC qui vont sortir à part. Ça fait un peu chier, parce que voilà, ils font pas d'autres season pass à 25€. Je veux dire, au moins, on est tranquille. Et je me pose la question, il y aura combien de DLC au final? Est-ce qu'il va y en avoir encore juste un comme ça? Ou est-ce qu'ils vont en ressortir 2 ou 3 ou 4 maximum? Je pense que 4 encore, ce serait le maximum. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je ne sais pas si je l'achèterai le jour J, en tout cas... J'ai d'autres priorités, hein, vous le savez très bien, déjà dans la vie, ce qui est assez normal. Et en termes de jeu, bah voilà, il y a FighterZ qui va pas tarder, il y a Call of par exemple, ou Need for Speed, etc. etc. Donc ça va être un peu compliqué, je ne sais pas, ça va être chaud pour vous proposer du gameplay le jour J, en tout cas je ne pense pas. Je vais essayer de me débrouiller, hein, mais s'il n'y a pas de gameplay, bah si vous voyez qu'il n'y a pas de gameplay le jour J, c'est que je n'ai pas de DLC tout simplement, enfin bref. Petite parenthèse fermée, on s'en fout, on verra bien d'ici là. En tout cas, je suis quand même grave hypé par rapport à ce nouveau mode de jeu. C'est surtout ça qui me hype le plus, hein, bien évidemment. Si je suis pas sûr d'acheter le DLC, je vois pas ce qui peut m'hyper encore plus. Bref, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, les potos. N'hésitez pas à liker, à partager, parce que voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu la galère, les frérots. Je dis bien, si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vos potes, etc. Enfin bref, faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à liker. C'est DBZ, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.